Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur le montage du Panzer et donc il est temps d'attaquer la peinture. Donc, je vous le rappelle, le Panzer a été apprêté avec le primeur de chez Valero, donc c'est le 73605 German Red Brown. Donc, l'ensemble a été apprêté au-dessus mais aussi en dessous. On a également toutes les petites pièces. Les galets, les choses comme ça qui ont été apprêtées ce coup-ci en noir pour créer un contraste déjà de base. Donc, avant de commencer cette peinture, je vais vous dire déjà laquelle je vais appliquer. Donc, il s'agit du RAL 7028, donc de chez Valero, et donc c'est le Dunkelgelb 71025. Donc, je me mets en place et c'est parti. Voilà, en attendant que le dessous du Panzer sèche, je vais m'intéresser aux galets de route et donc je vais utiliser cette peinture de chez Valero en Panzer Access, le Dark Rubber. Donc on va passer le Dark Rubber en premier et après je vous montrerai pour peindre le centre des galets. Donc c'est parti! Thank you.
Voilà, donc la peinture de base est maintenant passée, donc on est bien sur du RAL 7028 sur tout l'ensemble. Et donc avant de passer à la deuxième peinture de ce camouflage, je vais d'ores et déjà assombrir les parties inférieures du tank, donc au niveau du châssis. Donc j'ai repris exactement la même peinture, le Dark Yellow. Et je suis venu le mélanger avec du bleu, donc là c'est en l'occurrence du Signal Blue. Donc j'ai fait un petit mélange là dans ma coupelle, et donc on obtient une teinte plus foncée, et donc je vais venir l'appliquer sur les parties inférieures de ce tank. Donc à tout de suite. Voilà, donc comme vous avez vu, hein, j'ai pulvérisé essentiellement sur le dessous du châssis du Panzer. Donc on peut voir qu'il y a une différence entre les deux teintes. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé sur le dessous que sur le dessus. C'est pas énorme, mais ça, avec les lavis hein, qui vont être passés au-dessus, ça va donner une petite différence de teinte. Donc maintenant je vais laisser sécher le dessous, et puis on va passer à l'éclaircissement de ce coup-ci des parties supérieures, donc toujours avec la teinte de base, donc en Dark Yellow, avec une petite touche de blanc juste pour la partie supérieure de la tourelle. Donc voilà, je laisse sécher et puis on fait l'éclaircissement. Alors maintenant le travail d'assombrissement et d'éclaircissement de la peinture de base est maintenant terminé. Alors on peut voir qu'il y a quand même une différence hein, au niveau de la teinte jaune sable si je peux dire, entre ici et ici. Alors pour l'instant cette teinte est assez marquante si je peux dire.
On voit vraiment la grosse différence entre les deux teintes. Alors, c'est pas gênant. Disons que si on s'arrêterait là, ça serait gênant parce que là, c'est vraiment de trop, entre guillemets. On a vraiment une grosse différence de teinte entre les deux. Mais il faut savoir que sur un blindé, lorsqu'on fait ce genre d'opération, de peinture, ben, en fin de compte, au final, couche après couche, cette différence de teinte va s'atténuer. Et donc, là, on va continuer déjà sur la deuxième teinte de ce camouflage. Donc, je vous le rappelle, hein, au final, le blindé doit ressembler plus ou moins à ça. Donc, on voit bien, hein, en fait, sur le schéma de peinture, que la partie inférieure est vraiment foncée. Et sur la partie extérieure, la partie supérieure est bien claire comparée au reste. Donc on va passer la deuxième couleur. Et au final, après, quand on va vernir puis vieillir, logiquement, on va réussir à atténuer, entre guillemets, cette différence de teinte avec des filtres successifs, avec des washes localisés. Donc on va étape par étape, arriver plus ou moins à ce résultat-là. Donc, on va passer tout de suite la deuxième peinture. Donc, ça va être la deuxième peinture qui est plus foncée comme le schéma.
Voici la fin de la vidéo. Alors malheureusement, je vais pas vous montrer l'intégralité du char et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le camouflage, je vous ai montré une partie. Alors c'est pas évident à faire. Pour être honnête, je suis pas un spécialiste du camouflage et donc ça se ressent directement hein, quand on n'a pas l'habitude. On est forcément un peu plus embêté que celui qui pratique depuis des années et qui a déjà fait de nombreux camouflages. Donc, la version choisie ne m'a pas trop aidé en règle générale. Pourquoi ? Parce que si on regarde donc le camouflage proposé hein, donc par Border Model, on a bien notre teinte donc jaune, hein, Dunkel Gros, si je ne fais pas erreur. Dark Yellow, et puis ensuite on a des traits très très fins à faire donc avec la deuxième couleur, donc en dark gray, hein. Et c'est pas des lignes, en fin de compte on vient pas faire une ligne de là et on va la poursuivre jusque le devant du char. En fait ça vient par petites zones, par-ci par-là, et donc c'est pas évident parce qu'en fin de compte il faut se rapprocher vraiment du modèle, et puis des fois comme vous allez voir hein, au niveau du tank, bah, ça pose un peu problème. Alors je vais pas vous laisser quand même sans rien, je vais quand même vous montrer le résultat que j'ai obtenu sur donc le châssis. Donc là il y a des petites retouches à faire de jaune, mais ça va encore. Franchement j'ai quand même passé j'ai passé au moins 2-3 heures hein, donc à faire ce camouflage. Alors il est parfois un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu, je vais y arriver. La peinture n'est pas nette à certains endroits, donc ça équivaut à des petits crachotis, mais c'est vraiment très très léger. Donc ça va se noyer, là je vais pas y retoucher, ça va se noyer au niveau du, comment, avec les jus, etc. Hein. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est à peu près correct. J'ai appliqué plusieurs autres teintes pendant que vous n'étiez pas là pour essayer de faire des nuances au niveau du dark yellow. Hein. Donc voilà, je suis assez content. Non, on peut toujours mieux faire, mais disons que visuellement, ça ressemble au schéma de camouflage hein, proposé. Avec un jus sur l'intégralité, ça va, avec un filtre, ça va noyer les petits défauts et ça va le faire, quoi, ça va le faire. Au niveau de la tourelle, il manque la tourelle. J'avais commencé à refaire le même type de camouflage. Après, je me suis aperçu que ma couleur éclaircie était un peu trop éclaircie, donc j'ai repassé une couche. Deux couches, trois couches de différentes peintures. Et puis, au fur et à mesure, j'approchais de ce que je souhaitais. Mais le problème, c'est que à force de pulvériser à basse pression, les acryliques, hein, ça pardonne pas. J'ai eu un petit bouchage. Et du coup, la prochaine pulvérisation qui est venue juste après m'a envoyé un pâté sur la toile. Donc la tourelle est au glanzer, voilà. Donc je ne fais pas de vidéo pour vous dire tout est parfait, tout va bien, ça arrive à tout le monde, voilà. Donc malheureusement impossible à retoucher hein, sans que ça se voie. Donc j'ai mis toute la tourelle complètement au glanzer et donc il va falloir que je repasse la couche d'après. La couche de Dark Yellow plus la deuxième teinte pour essayer d'avoir quelque chose un peu d'homogène entre guillemets. Donc on termine sur cette face peinture qui est à moitié faite, mais bon voilà, il faut le dire, hein, travailler à basse pression avec des acryliques, des fois c'est tendu, c'est le cas de le dire. Donc tant pis. Ça sera le visuel sera disponible hein, quand ça sera terminé. Moi, je vais passer un petit peu à autre chose parce que c'est vrai que ça fait de longues heures pour arriver au glanzer, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Donc, je vais passer à autre chose en attendant. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous donne
Rendez-vous à la prochaine vidéo, soit sur le Panzer, soit sur les autres maquettes qui sont en cours. Je vous dis à bientôt, merci d'être passé par là, vous avez tous les liens dans la description, la page Facebook, la page Instagram, la page Scalmate et la page Tipeee, la page Utip, la page PayPal pour aider la chaîne. Allez, sur ce, ciao, bye bye.